intruse chez moi aujourd'hui. Ah bon? Allez, la visite de la collègue, ça fait trop de bien de voir du monde, c'est cool. Bon, j'espère que vous allez bien. Allez, moi tu me permets, ouais, hein. Ouais, vas-y. J'espère que tout le monde va bien. Donc du coup, petite vidéo enregistrée aujourd'hui. Parce que ce soir, je suis en formation avec Guillaume, donc pas de live possible. Mais on vous oublie pas, on fait une petite vidéo ensemble donc pour vous proposer. Aujourd'hui, du coup, je vous propose un circuit training, donc du renforcement musculaire global sur tout le corps. Je vais vous présenter vos 5 exercices, donc ce sera 6 ateliers que vous allez faire à votre rythme. Il faudra faire 4 tours, ok? Du coup, je vous explique les exercices et je vous laisse faire à votre rythme comme vous le sentez. Ça va le chien? On regarde ça? Premier exercice. Il vous faut... Et vous inquiétez pas, on vous montrera ça après pour pouvoir vous souvenir, ok? Premier exercice, donc c'est un exercice de fente. Donc vous allez toujours avoir le même pied devant, l'autre bien reculé derrière, bassin de face. Donc fente avec élévation latérale au niveau des coudes. Donc les coudes à 90 degrés. Je descends en fente, je monte mes coudes à hauteur d'épaule. Ok? 2, 3, 4, je descends bien le bassin sur une ligne droite. 6, 7 et 8. Premier exercice de fait. Deuxième, squat développé. Pour ça, vous avez les talons plus larges que les hanches. On vient ici chercher à descendre en squat. Poussez les poids au plafond. Donc vous transférez la force de vos cuisses dans vos bras en passant par les abdos. Donc on travaille tout le corps en entier. Il y en a 16. Ok? Mouvement un peu plus explosif et un peu plus rapide. J'ai pas compté. Moi, je m'arrêterai là. Mais vous, vous en ferez 16. Troisième exercice. On passe sur travail de fessiers et les obliques. Hop, je ne vais pas avoir. Ici, vous êtes. Tu t'en vas? Allez, file. File. Ici, on va venir pousser sur les talons en serrant les fessiers. Toujours le ventre rentré. Main au niveau des épaules. Position de base ici. Et je viens chercher à toucher le plus loin possible en diagonale. Et je reviens là. Je descends. Donc ça vous fait... Je monte. Je pivote. Je bloque en haut. Et je redescends. En haut. Pivot. En haut. En bas. Et il y en a 8 comme ça. 4 de chaque côté. Quatrième exercice. On reprend les fentes développées, élévation, avec l'autre jambe. 8, 7, 6, 5, toujours la poitrine haute et les abdos serrés. Hein. Toujours, 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 toujours. Et je descends jusqu'à ce que mon genou derrière soit à peu près à 2 cm du sol. Genou de devant, bien dans l'axe des orteils. Cinquième exercice, ça c'était le cinquième, pardon. Et le sixième, pompe, élévation. La pompe, vous pouvez la faire bien sûr sur les genoux ou sur les orteils. Hop, donc une pompe, j'allonge bras, jambes opposées, je pose. Une pompe, j'allonge bras, jambes opposées. Ok, 8, 4 de chaque côté. Voilà votre circuit. 4 tours au total, ok? Fente 8 fois. Le squat développé 16. Tout le reste, 8 répétitions. Ça marche pour vous? N'hésitez pas à la fin de la vidéo. Petit commentaire quand vous avez fait votre séance. Sur ce, on vous fait des bisous. Et voilà. Le petit récap. J'avance, je recule. C'est bon. Parfait. Voici votre séance. Petite capture d'écran et vous avez tout ce qu'il faut. Ok? Allez! Demain, vous retrouvez donc du coup Emma sur la prépa gym et nous on se retrouve jeudi pour le HIIT. Bye bye tout le monde!